Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo placée aujourd'hui sous le thème de l'humour. Je vous ai préparé une compilation des propos, des remarques, des discussions les plus absurdes, improbables et drôles. Alors pas toujours, mais la plupart du temps drôles, que j'ai pu avoir et que j'ai pu entendre tout au long de nos balades depuis 2-3 semaines maintenant avec Prada et Shadow. L'objectif, c'est de vous lister un petit peu tout ça, de vous divertir sur un fond justement d'images de nos balades avec Prada et Shadow. Mais aussi, je vais essayer de faire, mais très rapidement à chaque fois, des petites analyses, parce que derrière certaines remarques, je vais essayer de vous expliquer, j'essaye moi-même de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce qui cache autant de remarques similaires à longueur de journée, alors que ce sont des grosses, grosses absurdités et des grosses bêtises. Donc voilà, il y aura aussi cette partie analyse en parallèle du divertissement. Allez, c'est parti. Allez, la première remarque, c'est celle que j'entends tous les 2 mètres, environ 200 fois par jour, de façon mais vraiment incessante. Regardez le petit chiot là-bas, c'est trop mignon, c'est la mère et sa fille. Et les gens se persuadent, si je n'interviens pas, parce que je fais passer, sinon je passerai ma journée à ça, les gens se persuadent de ça, parce que certainement on veut croire aux belles histoires, au petit côté féminin de la chose, le côté maternel, etc. Et donc, on entend des choses improbables, type, regardez, en parlant de Prada, sa maman est en train de se comporter de telle ou telle façon, elle pose sa patte à 45 degrés, ça veut dire qu'elle la protège, et regardez comment elle fait ci, elle fait ça. Il se montre des films sur un truc qui est complètement faux. Donc c'est assez amusant à entendre. Et là où c'est encore plus rigolo, c'est que j'ai mes propres voisins qui m'ont dit, alors qu'ils n'ont jamais entendu un chiot, ils m'ont jamais vu avec, 5, 6 chiots, ils n'ont jamais vu Prada grosse, porteuse, et quand ils ont vu la petite, ils m'ont dit « Oh, c'est sa mère ?» Absurde, mes voisins de palier qui se posent la question, vous voyez. Donc c'est pour dire que comme l'imaginaire veut aller chercher cette belle histoire. Ensuite, j'ai eu une discussion une fois avec une dame qui me demande, donc qui me pose cette question, et je lui dis « Non, elles sont sœurs ». Et là, elle bug complètement. Oh là là, mais elles ont une grosse différence d'âge. Bah oui, un peu comme vos enfants, vous avez des frères et sœurs qui n'ont pas le même âge. Ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des frères et sœurs. Ah oui, d'accord. Vous voyez comme le fait de répondre non, et en plus je rajoute une donnée qui n'est pas attendue, qui est elles sont sœurs, la personne a complètement bugué. Ensuite, on a cette magnifique phrase d'accroche, le fameux « Oh là là, il n'est pas vieux celui-là ». Alors si, il est très vieux. Allez, bonne journée. Que voulez-vous répondre à ça? C'est d'une banalité, eh bien voilà, on passe son chemin. Et puis j'arrive à une thématique, allez celle-ci elle me fait beaucoup rire à chaque fois, c'est la fameuse reconnaissance des races. Alors j'ai eu de tout, hein, puisque j'ai une personne qui m'a dit « ça c'est quoi comme chien? C'est des Pékinois, non ?» Alors il y avait juste la fin qui était bon, le Inois, mais non, Malinois, loupé. Alors à ne pas confondre avec une personne qui m'a dit « j'adore ces chiens, c'est joli les Milanois ». Alors à 2 lettres près c'était bon. Alors j'ai eu le droit au Doberman aussi, mais souvent la confusion elle se fait avec le fameux berger allemand, puisqu'un chien dangereux comme ça dans la rue qui fait peur avec un masque noir, c'est un berger allemand. Et là aussi où c'est rigolo, c'est quand vous avez une famille qui passe, qui se pose la question sans vous interpeller, mais « Oh, t'as vu, papa, maman, c'est quoi, c'est un berger allemand ?» Et le père, qui joue son rôle de père de famille, qui sait tout, « Oui, c'est un berger allemand. Regarde comme il est beau, essayez ça, machin, qui part sur un délire complet. » Alors là, je ne manque pas, bien sûr, de passer à côté. Ce n'est pas du tout un berger allemand. Attention pour ce qui va suivre, on est sur du Raymond Devos. Est-ce un berger belge ou un malinois? Moi, ma réponse, c'est toujours de dire « Les deux. Et comme j'ai 2 chiens, là, ça se complique très vite dans la tête de la personne. Ah oui, d'accord. C'est la mère ou la fille qui... Parce qu'on est toujours sur cette mère et fille, bien sûr. C'est la mère ou la fille qui est berger belge et l'autre qui est malinois? Alors les deux le sont les deux. Ah, alors je comprends pas ce que vous me dites. Elles sont croisées? Non, non, elles sont pure race. Pure race malinois ou berger belge? Les deux. On est sur un délire complet, évidemment. Je prends un malin plaisir à l'embrouiller complètement. Puis la personne, au bout d'un moment, s'en va. Merci monsieur et bonne journée. Elle est complètement perdue. Par exemple, j'ai eu aussi une personne qui, en regardant Shadow, me dit « Oh, c'est un petit berger allemand ?»« Non, c'est un malinois. »« Oh, excusez-moi, je me suis fait avoir en regardant la grande. » Ah bah justement, c'est un malinois encore plus, puisqu'on voit mieux une fois adulte quelle race c'est. Ce qui était improbable, c'est qu'elle était persuadée que Prada était un berger allemand, donc la petite étant sa fille aussi, et quand j'ai dit ça, elle a juste fait le lien entre eux, ce ne sont pas la mère et la fille. Et pour revenir sur le sujet mère-fille, j'ai une personne qui m'a demandé l'âge de Prada. « Elle doit être jeune, votre chienne. » ?»« Oui, elle a 2 ans. » »« Ah oui, je me disais, ça peut pas être sa mère. » Donc cette personne était persuadée qu'à 2 ans, une chienne ne pouvait pas mettre bas, c'était beaucoup trop tôt pour elle. Allez, ensuite, on a les pères de famille qui, bien sûr, quand ils voient Prada éduquer, ont ce bon goût et cette bonne blague de dire « je vais vous laisser mon chien quelques jours ». Ce qui est un peu moins amusant derrière cette blague, c'est qu'en fait, lui est persuadé qu'en donnant son chien à quelqu'un d'autre, le travail sera fait, c'est pas à lui de s'investir, et en plus, en quelques jours, ce sera fait. Il n'y a pas besoin d'éduquer son chien sur toute une vie. Vous voyez, donc c'est toujours un petit peu dérangeant derrière ces blagues-là. Mais après, quand on a en plus le père de famille qui surenchérit en disant « je peux peut-être même vous laisser mes enfants », et là, bien sûr, on a le beauf du mois d'août, on est en plein dedans, qui lui rajoute « je peux même peut-être vous laisser ma femme, elle m'a jamais écouté ». Et la femme qui rigole, bien sûr, à cette blague pas du tout sexiste. On continue de façon un peu plus
pêle-mêle. On a la petite situation où Prada est à côté de moi, Shadow est dans mes bras, puis on a une personne qui arrive, qui vient vous coller, vous savez pas pourquoi, et qui essaye de caresser Shadow dans les bras. Donc là, vous dites bah non, et vous passez évidemment pour un relou de service. Voilà, c'est normal après tout de caresser un chien dans les bras de quelqu'un. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le chien aussi qui arrive en liberté. Shadow qui n'a pas encore sa vaccination à jour, qui est en éducation, qui pourrait être impressionné. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. On dit à la personne, rappelez votre chien s'il vous plaît. Et ça part en, mon chien est gentil. Alors moi, ben, comme j'ai Prada à côté, eh bien moi, elle n'est pas gentille. Boum. Alors là, ça court dans tous les sens. On a aussi la certitude, vu la corpulence de Shadow, que c'est un mâle. Voilà, sans réfléchir plus que ça. Ça doit être forcément un garçon. Et puis on entend les personnes, ah oui, regarde comme il se déplace, il bouge de telle ou telle façon. C'est forcément un garçon. Bon, ok. Il y a aussi la petite phrase qui peut revenir, qui paraît anodine comme ça, mais du « Votre chien s'appelle comment ?» À ça, moi je réponds toujours « Je ne donne pas son nom » ou alors « Il s'appelle Josette ». Je dis n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que derrière ça, vous êtes sûr que dans la seconde qui va suivre, la personne va appeler votre chien. Et votre chien, comme il est en éducation, il est jeune, il va y aller. Et donc vous êtes dans un piège où quelqu'un d'autre rappelle votre chien sans votre commandement. Donc ne pas tomber dans ce petit piège, vous voyez, c'est une petite astuce que je vous donne, mais non, non, on ne donne pas son nom, ou en tout cas, si vous voulez donner son nom, bah dites à la personne, ne l'appelez pas derrière. Et dans le même ordre d'idée, quelque chose qui est vraiment, ça c'est insupportable et irrespectueux, c'est les fameux « j'appelle votre chien ». Allez, viens là le chien. Alors, je sais pas quel est le projet. Des fois, on appelle Shadow alors qu'elle est dans mes bras. Je vois pas où est le projet. Est-ce que c'est pour qu'elle se débatte, qu'elle saute de mes bras? Enfin, incompréhensible, mais bon. Voilà, ça fait partie des choses où les gens, naturellement, font ça pour interpeller le chiot. J'ai eu un soir sur cette thématique, hein, Prada qui était assis, pas bougé, j'allais chercher, je sais plus, des sacs à crottes ou autre. J'avais traversé la rue sans elle, etc. J'étais à une dizaine de mètres, je la fais travailler, puis vous avez une personne qui s'arrête, puis qui commence à la pâter dans tous les sens pour la faire bouger, la faire venir. Bon, pareil, là aussi, je comprends pas le projet. Ensuite, en sortant de chez moi, un beau matin, une équipe de déménageurs pour un voisin, et le monsieur qui me dit « Wesh, wesh ma gueule !» Il est beau le petit, il est à vendre. Alors non, il est pas à vendre. Ah, tu vends pas des malinois? Non, je vends pas de malinois. Et il dit parce que c'est pour mon travail dans la sécurité. Je dis, ah bon, je croyais que t'étais déménageur, toi, visiblement, mais non, le mec est dans la sécurité. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. Il achète des malinois comme ça dans la rue. Bon, ok. Bon, ensuite, je vous passe toutes les situations, comme j'ai commencé à l'évoquer un petit peu, de il faut faire jouer avec son chien les spécialistes, hein, de la socialisation. Allez, faites jouer votre chien, les chiens qui arrivent en laisse tendue pour aller dire bonjour à Shadow. Je dis, non, je veux pas de contact. Et je prends une morale sur ce qu'est la socialisation, etc. C'est... Voilà, tout ça, je vous passe, hein, c'est à longueur de journée. Vous avez aussi, quand Prada se promène toute seule avec sa balle, enfin toute seule, à 2-3 mètres de moi, hein, mais qu'elle est un petit peu en mode presque de divagation, puisque je m'occupe de Shadow, des personnes qui disent, bah alors, tu donnes la balle? Pareil, c'est anodin, mais non, tu donnes pas ta balle à un inconnu. Et comme Prada est éduquée pour ça, elle passe à côté. Et là, en général, la réaction du monsieur ou de la dame, c'est complètement con, ce chien, il veut même pas me donner sa balle. Alors, qui est le con des deux, je ne sais pas, mais enfin bon. Bref, voilà. J'en ai fini avec ma petite liste. Hein. C'était vraiment pêle-mêle. J'essayais eh bien, de vous donner les petites phrases, de vous les commenter un petit peu. Vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que derrière des fois des petites phrases, il y a des choses plus gênantes derrière, des fonctionnements de l'esprit humain qui ne sont pas corrects par rapport au chien, dans son apprentissage, dans son éducation, etc. Et puis derrière tout ça, il y a ce petit côté... On se fait avoir par de la socialisation, parce que le chiot est gentil, il est mignon, donc tout le monde veut le caresser, et puis nous on laisse faire, et puis en fait on fait pas vraiment d'éducation, et c'est comme ça qu'il commence à sauter sur les gens. Il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là, donc faites attention à ces pièges. L'idée, je le dis souvent aux personnes qui viennent prendre des cours avec moi, c'est que vous devez, entre guillemets, ignorer un petit peu ce qui se passe autour de vous, créer cette bulle, et vous dire... Peu importe si je suis jugé parce qu'on me dit que j'éduque mal mon chien, que si, que ça, vous êtes l'éducateur de votre chien. Donc tout ce qui se passe autour, on peut vous commenter, on peut faire tout ce qu'on veut, essayer d'appeler votre chien, etc. Non. Par contre, vous discutez avec quelqu'un et là, vous mettez en place un petit protocole, un petit exercice où je vais dire à mon chien, ok, va jouer avec cette personne, je te donne l'ordre de dire bonjour, je te donne l'ordre de jouer avec ce chien, etc., etc. Vous créez les bonnes expériences et vous créez une bonne éducation pour votre chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire ou sourire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez retrouvé justement certaines phrases, certaines situations dans ce que vous vivez au quotidien, comment vous réagissez, et puis à me dire, eh bien, forcément, si vous avez d'autres situations, d'autres phrases que je n'aurais pas exposées et qui, du coup, pourraient nous amuser également. Je vous rappelle juste une actualité importante, c'est notre balade collective que nous organisons. Alors à Paris, elle se passera à Fontainebleau précisément, en forêt de Fontainebleau. On vous attend très 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 nombreux.
Les renseignements sont sur notre page Facebook, dans la rubrique événements. Mais si vous n'avez pas Facebook, bien n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous expliquerai tout ça en détail. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow qui sont en train de jouer, vous avez peut-être entendu, dans leur panier, pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao! Prada, je vais avoir besoin du waf de fin, s'il te plaît. Tu me fais le waf, Prada? Excellent!